Et salut à tous! La vidéo du jour est assez spéciale car en fait elle est consécutive à une autre vidéo, mais pas de moi celle-là. Allez, je vous raconte l'histoire. En suivant la très bonne et très documentée série de vidéos sur les Simpsons du youtubeur TheReg, je suis tombé sur celle-là. Alors voilà, avec son aimable autorisation, je vous propose de voir ensemble comment faire fonctionner au mieux le jeu The Simpsons Cartoon Studio sur une machine que je vais qualifier de budget, le Raspberry Pi 4. Et vu que je suis dans une suite de vidéos sur cette machine, bah ça se passera plus précisément sur le Raspberry Pi 400. Ah, j'oubliais, restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit concours et même qu'il y a des lots, quoi, voilà. Donc, on va en profiter pour introduire une nouvelle distribution de Linux spécialisée, bah comme toutes celles que j'ai présentées jusqu'à maintenant. En l'occurrence, on va utiliser Dustbian, son site dans la description de la vidéo. Elle s'appuie sur Dustbox, qui est, pour l'occasion, intégrée de la manière la plus transparente possible pour donner l'impression d'une machine fonctionnant nativement sous DOS. Pour mémoire, cette distribution n'est plus maintenue pour les Raspberry Pi de version inférieure à 4, et c'est malheureusement inutile d'essayer, le bootloader ayant changé au passage à la version 4 de nos mini-machines. Petite note supplémentaire, si vous avez une machine suffisamment puissante et que vous voulez une émulation plus authentique, on va dire, vous pouvez aussi utiliser PCEM en suivant le tutoriel que je vous mets en lien juste en haut à droite. Mais trêve de blabla, c'est parti! On va donc commencer par télécharger l'image, qui fait environ 1,2 gigaoctets compressé. Pendant que ça se télécharge, on va se préparer une petite clé USB avec ce dont nous allons avoir besoin pour installer Windows 3.11 sur notre machine. On va donc aller faire un tour sur le très pratique site WinWord et on va télécharger un Windows 3.11 pour Workgroup, en français dans mon cas, mais vous avez le choix si vous voulez utiliser une autre version, comme vous pouvez vous en douter. On va aussi aller récupérer des drivers, ceux de la Sound Blaster 16 et ceux de la carte graphique configurée dans notre version de Dustbox, à savoir une S3. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, bien entendu. On va décompresser les deux archives des drivers sur notre clé USB et on va extraire le contenu de chacune des disquettes de Windows dans un répertoire WinStall que nous allons créer sur la clé. Pour récupérer ces données, j'utilise pour ma part WinImage. On ouvre le fichier de chaque disquette avec ce programme et on copie-colle jusqu'à la dernière. J'ai aussi fait une ISO du jeu dont je vais avoir besoin pour l'installer et le faire fonctionner. Optionnellement, si vous avez ça quelque part, vous pouvez aussi récupérer le répertoire DOS d'une autre installation que vous auriez fait auparavant, sans être indispensable, ça peut servir. Et magie du timing, et surtout du montage, voilà que l'image pour notre Raspberry est téléchargée. On extrait le fichier IMG de l'archive, et on va préparer notre carte SD à l'aide du Raspberry Pi Imager, parce que bah, tant qu'à faire, hein, autant utiliser les outils officiels. On insère notre carte SD dans notre PC, on sélectionne la carte, et c'est parti! Et voilà ce que ça donne une fois dans le Pi 400. Habile l'idée de camoufler le démarrage de Linux sous un pseudo écran de BIOS, hein, bien vu! Alors, à quoi ça ressemble? Ok, il y a des répertoires déjà créés. Bon, bah, on va pas faire grand chose d'autre ici pour l'instant. On tape Exit, afin de pouvoir accéder au menu de configuration qui va nous permettre de prendre la main sur Linux. Petite note, ne modifiez pas la configuration de clavier sous Linux de manière permanente, avec raspi-config par exemple, vers un clavier français. Cette modification rentre en conflit avec la configuration en clavier français sous DOS, on verra ça tout à l'heure. En description, je vous mets les correspondances utiles entre clavier QWERTY et AZERTY, ainsi que la manipulation pour pouvoir avoir un clavier français non permanent. Allez, on va maintenant copier le contenu de notre clé USB sur la carte SD. Pour ce faire, on va aller dans le répertoire home/pi/dustbian, un petit ls pour voir, et ce sont les mêmes répertoires que sous DOS tout à l'heure. On crée donc un répertoire install, et on va ensuite monter. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, on pourrait dire connecter logiciellement notre clé USB au système. Pour ce faire, on va utiliser la commande mount. Je vous mets la ligne dans la description de la vidéo. Petite note, sous Linux, il est conseillé d'utiliser la touche tab pour compléter les noms des répertoires et de fichiers, ce qui a aussi l'avantage dans notre cas de savoir quel est l'identifiant de notre clé. Ainsi, en tapant SD puis tab, on voit que l'on a SDA et SDA1, pas de SDB ou autre, donc on peut en déduire que notre clé est SDA1. Une fois monté, on va recopier la totalité de la clé dans notre répertoire install, toujours pareil, la ligne de commande est en description.
eh bien, on a tout, on va pouvoir installer tout ça. Exit. Et hop, nous revoilà sous DES. Encore une fois, vous pouvez passer en clavier français sans difficulté en tapant KEYB espace FR. On va donc aller dans le répertoire install, puis winstall et taper install. On valide par entrée et on se laisse guider jusqu'à la fin de l'installation. Ici, le clavier sera en français même s'il ne l'est pas sous DOT, faites attention à ce que vous tapez. Allez, dans la foulée, on va installer la carte son. Voilà, on va donc pouvoir jeter un œil, on rentre dans le répertoire Windows, puis on tape Win pour lancer la bête. Et voilà l'ancêtre, que de souvenirs pour les plus vieux d'entre nous. Dans un prochain épisode, un petit tuto Windows 3.11 pour les moins de 90 ans, promis. On va donc maintenant ouvrir une commande MS-DOS pour monter notre image ISO et faire croire au système qu'il s'agit d'un CD. Et ça fonctionne, nous avons notre ISO qui apparaît en D2. On lance l'installation du jeu, tout fonctionne, génial. Et on le lance. Ah, pas assez de couleurs, dirait-on. Là, vous allez voir à quel point Windows s'est amélioré. Pour changer de résolution, il va nous falloir changer de pilote graphique. On va donc ajouter le pilote que nous avons préalablement récupéré.
l'installer, sélectionner du 640-480 en 256 couleurs. Et ça ne marche pas. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais voici comment faire pour solutionner ça. On va retourner dans WinInstall, relancer l'installation de Windows, cette fois-ci en mode personnalisé, pour vérifier que le pilote graphique est bien le bon. Ça roule, on valide tout, l'installation se refait, on relance Windows, et voilà, nous voici en 256 couleurs. On va pouvoir essayer de lancer le jeu du coup. Mais ça démarre. Par contre, on a un problème niveau son, non? Et surtout, bah pourquoi ça reste bloqué quand on veut quitter Windows? Là, c'est très simple, mon petit Jamy. En fait, lorsqu'on a installé les drivers de la carte son, on a bien défini un répertoire pour Windows, tout s'est bien installé, et les fichiers de démarrage ont été modifiés. Mais le truc, c'est que notre autoexec.bat, celui qui a été modifié par les drivers, il se lance pas automatiquement lui au démarrage. Et c'est à cause de ça que le son ne fonctionne pas correctement. Le driver est en attente de certaines informations que seules les lignes de commande qui sont lancées dans l'autoexec.bat peuvent lui donner. Donc bon bah, vu qu'on va pas se le taper à la main tous les démarrages, hein, autoexec.bat, on va l'ajouter au démarrage automatique de DOSBox. Pour cela, rien de très compliqué, on tape exit, puis on quitte l'interface, et nous voilà à l'invite de commande de Linux de nouveau. On va éditer le fichier de configuration de DOSBox avec un programme qui s'appelle Nano. Tout en bas du fichier, après ces deux points, on va juste ajouter la ligne autoexec.bat. On fait ensuite CTRL-X, on tape Y pour sauvegarder, puis on tape Exit, puis on relance la machine. Et voilà, on voit que l'autoexec.bat s'est bien lancé. On en profite pour utiliser Edit. Ça, c'est si jamais vous aviez une copie de MS-DOS que vous avez pu remettre là. Ou bien un outil dans Windows pour modifier la ligne Path et ajouter KEYB espace FR à la fin de notre fichier autoexec.bat, histoire d'avoir notre clavier en français automatiquement à chaque démarrage. Dernière étape avant de relancer le jeu, on va remonter, comme tout à l'heure, l'ISO du jeu pour faire croire au système qu'il s'agit d'un lecteur CD. Voilà qui est fait, on peut maintenant relancer Windows et retester le jeu. Et voilà donc une méthode pour faire tourner The Simpsons Cartoon Studio tel qu'on pouvait le jouer en 96 sur un Raspberry Pi 4 ou un Raspberry Pi 400. Et pour le petit concours, alors c'est très simple, hein. Déjà si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et ensuite vous allez juste me laisser un petit commentaire sur cette vidéo, et c'est tout. Histoire de laisser le temps à tout le monde de participer, je vous propose de faire un petit tirage au sort à la mi-février 2021, donc parmi les participants pour gagner la version boîte du jeu The Simpsons Cartoon Studio, sur PC, hein, du coup, pas la version Mac. N'hésitez pas à remettre vos potes pour participer. Hein. Alors sur ce, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.